Je viens d'arriver à Bohol, je vais partir en scooter pour une petite virée aujourd'hui et ça va vraiment être une journée épique parce qu'on va au Chocolate Hills. Et je serai pas tout seul. Pour aujourd'hui, il y a deux personnes que j'ai rencontrées hier, deux françaises, que je vais suivre pour toute la journée. Elles ont prévu un bon programme, donc c'est une super opportunité pour moi de les suivre. Voilà, on a déjà bien avancé. Là, on est au petit village de Loaï. Et on va se diriger vers le marché, prendre un petit jus. On a fait la moitié de la route, là, justement. C'est super sympa, il y a que des locaux ici. Il n'y a pas du tout de touristes. Ah, c'est super, j'adore quand on arrive dans ce genre d'endroit, tu vois. Putain, elle est pas contente celui-là. Hein. Ils sont en train de faire je sais pas quoi avec les cochons là-bas, les mecs. Stop. Voilà, la route a été moins fatigante qu'à Ospina Peak. C'est super chouette quand même de la faire en scooter. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille de faire depuis Alona Beach. Là, on est en train de monter sur le premier spot pour avoir un point de vue génial sur toutes les Chocolate Hills. Magnifique. Je sais pas à quoi c'est dû. Je vais aller demander à un gars qui est là-haut, connaître un peu le phénomène de ces collines. Bon, y a pas un super temps, mais ça reste quand même magique. Ok, fini pour nous ici. On reprend les scooters, on redescend. On prend la même route qu'on a pris, puis on va se diriger vers... Il y a les petits singes là, les tarsiens, qui sont très connus et qui ne vivent apparemment que sur Bohol. Et puis je pense qu'on va finir notre journée aussi, pourquoi pas avec un peu de tyrolienne. Les filles m'en ont parlé, ça a l'air d'être super. 1 km de descente, donc je pense qu'on est parti pour finir notre journée de cette façon. Ok, nouveau paysage. On va faire ce qu'ils appellent ici une zipline. 460 mètres de descente. Et tu restes allongé, on va faire ça. Oh, ça a l'air ouf! Génial! C'est d'abord au tour des filles en premier. Down. Ok, c'est bon, je suis en position. Ça va être dingue. So have fun. See you later. C'est pas tout ça, mais quand tu le fais une fois, faut bien revenir au même endroit. Donc c'est parti pour un deuxième tour. Sensation. Et là, dans un tout autre registre, je me dirige vers là où sont les tarsiers, donc ces petits animaux qu'on trouve seulement sur Bohol et que je vais tout de suite aller voir. On va aller prendre nos entrées. À propos de ces animaux-là, c'est des animaux qui sont assez solitaires et qui ont besoin énormément de silence. Donc on nous demande de pas faire de bruit quand on va les voir. C'est des animaux nocturnes, donc ils supportent mal la lumière du jour, donc c'est pour ça qu'il faut rester vachement respectueux envers eux en fait. Du tout faire de bruit ici. Et voilà, on rentre
genre de trucs. Les tarsiers sont tellement peureux et tellement sensibles qu'il y en a certains qui se suicident même si tu les touches. Voilà, fin de journée sur cette belle plage d'Alona Beach. On a passé une super journée et puis c'était impressionnant de voir les tarsiers. Je pensais pas, mais ça fait vraiment la taille de ton pont quoi. C'est vraiment tout petit comme animal à ce point là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros. On les a pas vraiment vus, on les a vus un peu à moitié. Je pensais vraiment qu'on allait les voir vraiment de près, qu'on allait voir leurs yeux, qu'ils allaient un peu bouger et tout. Mais finalement ça veut dire aussi qu'ils sont bien et ça veut dire que justement leur habitat est préservé et que les gens s'en occupent bien aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas et je vous mets dans la description l'endroit où on est allé. Parce que je pense que c'est peut-être l'endroit où on peut les voir de la meilleure façon, entre guillemets. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et on se voit demain. Ciao.